Coucou les filles, dans cette vidéo, on va voir donc mes 3 secrets pour ne plus jamais avoir peur de la concurrence. C'est une question qui revient souvent, donc je l'aborde dans cette vidéo aujourd'hui. Alors, mon tout premier point aujourd'hui, ça va être en fait d'avoir confiance en vous. Si vous avez peur de la concurrence, c'est que vous ne vous faites pas confiance. Vous vous dites, il y a des personnes qui font déjà ça sur mon secteur, donc si moi j'arrive avec ce que je fais, ça va pas plaire, peut-être que les gens vont pas venir. En fait, le tout premier point à travailler, c'est la confiance en vous. Ça, c'est ce qu'on aborde également dans la formation confiance en soi et succès que je propose. J'en parle aussi dans la formation base et perfectionnement. J'ai intégré aussi une partie sur la confiance en soi et comment dépasser nos peurs. Alors, beaucoup moins étendue, bien sûr, que dans la formation confiance en soi et succès, mais voilà, c'est 3-4 vidéos, 4 vidéos qui ont énormément aidé mes élèves à progresser. Donc j'aimerais également vous apporter ça aujourd'hui. Alors bien sûr, beaucoup plus court puisque j'ai pas 3 heures devant moi pour vous expliquer tout ça. Alors ça, c'était le premier point. Gagner confiance en soi. Si vous n'avez pas assez confiance en vous, d'ailleurs vous pouvez me le dire dans les commentaires si c'est un problème pour vous de ne pas avoir assez confiance en vous, vous pouvez assister à ma conférence Nouvelle Vie, on parle de la confiance en soi, on parle beaucoup de la concurrence et j'aborde ce sujet-là vraiment très 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 en détail. Donc si vous avez envie de partager avec moi ces secrets, eh bien on se retrouve dans la conférence où je vous donnerai donc toutes mes clés bien plus en détail qu'aujourd'hui. Donc ça, c'est le premier point. Deuxième point, il faut être différente des autres. C'est-à-dire que déjà, de un, si vous faites quelque chose de complètement différent des autres, vous n'avez pas à faire face à la concurrence. Eux vont être... En fait, c'est comme si vous imaginez 2 piscines. Eux, ils sont dans une piscine remplie de piranhas. C'est-à-dire que chaque personne qui fait les ongles est un piranha et essaye de manger la pauvre victime qui va se plonger dedans. Vous, il faut imaginer que c'est un bassin d'eau bleue, vraiment, très agréable, on a envie de se plonger dedans. Pourquoi? Tout simplement parce que vous allez faire quelque chose de radicalement opposé à ce que tout le monde propose. Tout le monde fait de la concurrence sur le prix. La concurrence sur le prix, c'est je fais les poses les moins chères possibles pour pouvoir avoir le plus de clients possible. Le problème, c'est que ça pose tout un tas de problèmes, justement. C'est que quand on fait les clientes les unes après les autres, on n'a pas le temps de nettoyer. On doit utiliser des produits de mauvaise qualité parce qu'on n'a pas l'argent pour payer des bons produits puisqu'on facture ça très peu cher. Donc produits de mauvaise qualité, dit mauvaise tenue, dit des ongles qui cassent, dit de la mauvaise publicité, dit qu'il faut tout le temps renouveler les nouvelles clientes. Donc c'est un travail de fou, ça coûte de l'argent aussi d'avoir des nouvelles clientes en publicité, en tout ça. Il vaut mieux faire un travail de qualité, avoir des clientes fidèles qui reviennent, qui vous conseillent, avoir des postes qui tiennent 4 semaines, plutôt qu'une semaine, et les accueillir dans un cadre vraiment agréable. Imaginez-vous, mettez-vous à la place de la cliente, où est-ce qu'elle aura envie d'aller? Moi, en tant que cliente, je préfère payer 40 € une pause qui va tenir 4 semaines avec des produits hypoallergéniques que 20 € une pause qui va tenir une semaine avec des produits de mauvaise qualité. Mettez-vous à la place du client, mais, encore une fois, vous ne pouvez pas demander 40 € pour une pause faite avec des produits de mauvaise qualité, dans des mauvaises conditions, dans un institut qui n'est pas propre, avec des clientes qui s'enchaînent. Il faut toujours, en fait, choisir votre positionnement et vous y tenir. Et surtout, communiquer dessus. Ça, j'en parle énormément dans la conférence. Donc vraiment, si vous avez envie de le voir en détail, ce sera avec très très grand plaisir. Et le troisième point, ça va être de se spécialiser. Encore une fois, si vous faites la même chose que tout le monde, une French blanche ou une pose de capsule, des choses qui existent depuis 30 ans, forcément, la cliente, elle se dit, j'ai une pose French à 20 €, j'ai une pose French à 40 €, je choisis la pose French à 20 €. C'est un peu logique. Surtout si vous ne communiquez pas sur le fait que vous utilisez des bons produits et tout ça. Donc, ce qu'il va falloir faire, c'est faire des choses qui vous différencient complètement des autres. Si les autres font des ongles carrés, faites des amandes, ou faites du stiletto, faites des formes artistiques, faites du nail art à la main. Faites quelque chose qui fait waouh. Si vos clientes arrivent à faire waouh, mais c'est vraiment trop beau, j'adore ce que tu fais, elles deviennent fans. Et les fans vont en fait mettre le prix que vous demandez pour vos services et elles vont vous recommander à d'autres.
Imaginez, voilà, vous êtes fan de quelqu'un, ben vous allez à son concert, vous êtes prêt à mettre quand même un certain prix pour l'entendre sur scène, alors que vous pouvez avoir le CD ou même télécharger la musique gratuitement sur Internet. Mais vous êtes fan, donc vous êtes prêt à vous investir. Là, c'est exactement la même chose. Une cliente qui est fan, eh bien, elle revient et elle est prête à mettre le prix juste. Attention, hein, faut pas non plus exagérer, mais le prix juste pour vos pauses. Donc, j'espère que vous avez compris que si vous mettez ces trois choses en place, c'est-à-dire un, gagnez confiance en vous, arrêtez de vous dire je suis nulle, je n'y arriverai pas, les autres sont meilleurs que moi, c'est faux. Il vous faut une bonne formation et si vous êtes motivé, vous pouvez y arriver, peu importe le niveau où vous êtes aujourd'hui. Même si c'est un niveau moins 0, moins 1, vous pouvez y arriver. Même si vous êtes nul en dessin, vous pouvez y arriver. En fait, il vous faudra peut-être juste un peu plus de temps, mais il y a des gens qui vont lâcher entre-temps et vous, vous serez toujours là et vous allez continuer et vous allez vraiment gagner sur tous les niveaux. Deuxième chose, ça va être donc de proposer donc des poses modernes, des poses type Instagram, des choses que les gens ont envie de voir, des choses voilà, et dans un surtout avec des produits de qualité, et vous allez complètement vous positionner différemment. Vous n'allez pas faire la concurrence du prix, mais la concurrence de la qualité. Et dernière chose, eh bien se spécialiser, faites quelque chose de différent des autres. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a aidé. J'aimerais vraiment vous en donner encore plus, vous donner toujours plus de clés. Donc si vous voulez me rejoindre dans la conférence, ce sera avec très très grand plaisir. Je vous offre également des petites formations offertes si vous voulez me rejoindre dans une formation offerte pour voir donc si ça vous convient. Et puis donc n'oubliez pas de partager cette vidéo si elle vous a plu et puis de cliquer sur la petite cloche et de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Je vous fais un énorme bisou et je vous dis à très bientôt dans la prochaine vidéo.